Bonjour, bienvenue dans le trial tourné nul. Alors ça y est, c'est parti, vous entendez, ça pétarade. Regardez toutes les motos qu'il y a derrière. Il y en a plus de 400. Alors, vous allez en voir dans cette vidéo quelques-unes. C'est superbe. Je ne les ai pas toutes filmées, j'ai pas pu, mais j'ai pas eu le temps. Puisque en faisant la compète, c'est pas évident de faire et un film et la compète. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume. I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. Bon Franck, tu vas nous présenter ta moto. Je vois qu'il y a sur le maillot, c'est marqué les psychorigides. Et ben voilà. Donc, et pourquoi les psychorigides? C'est le nom de l'équipe parce qu'on est sur des motos rigides cette année. Donc avec ma moto, une Griffon de 1953. Il y aura Alexis Cotin avec une Ariel 500 de 1956, me semble-t-il. Et Frédéric Brosset avec cette très jolie Cub qu'il a faite préparer par son ami et notre ami Rémi Vivien, qui est elle de 1962. Donc moi, je suis parti d'une moto de route, hein, c'est l'équivalent d'une Peugeot. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose qui soit sympa au look, mais qui aussi fonctionne plutôt bien. Et la plupart des copains qui m'ont vu rouler dans les zones avec ont été quand même un petit peu impressionnés de ce qu'on arrive à faire avec une moto comme ça, qui n'est pas du tout ridicule, malgré que bon, y a un moteur qui est un peu
un peu poussif quand même. Alors, parce c'est quoi comme moteur? Donc c'est un moteur l'équivalent d'un Peugeot, c'est un 175, donc monocylindre, avec la spécificité d'avoir une double sortie d'échappement. Et c'est donné à l'époque pour 7 chevaux et demi. Alors j'en ai peut-être un peu plus du fait que j'ai monté un allumage électronique de chez Kennedy. J'ai mis un carbu moderne et fait faire une sortie, donc un 2 en 1 en inox, sur lequel on a adapté un pot d'échappement de TY tout en 1. Et bon, la moto marche bien, très plaisante, ça tourne assez court, c'est assez léger. Et pas très puissant, mais bon, voilà. Et tu me disais, c'est des roues de TY. Voilà, c'est des moyeux, des roues de TY que j'avais dans mon stock, une fourche de TY aussi. J'ai juste fait faire des T par Jeremy Inchall, un anglais, qui est spécialiste là-dedans, pour pouvoir adapter les T sur la colonne de direction. Et sinon, le cadre, il est, et le fait qu'à l'arrière, il y avait donc une suspension coulissante, et des ressorts dessous et des ressorts dessus, et donc ça coulissait. Et là, en fait, j'ai mis une entretoise en inox pour immobiliser, pour rendre la moto rigide. Et ce qui m'a permis de descendre un peu et de gagner en garde au sol. Voilà. Et le cadre, c'est quoi? C'est le cadre d'origine de la moto. D'accord. Juste après, couper des pattes qui servaient à rien, fait des pattes pour articuler la selle que j'ai faite. Ça, c'est un amortisseur de VTT, mais bien sûr, le ressort était trop dur. Donc j'ai acheté un amortisseur de TY, j'ai coupé le ressort, puis parce que c'était pas du tout étanche. Et du coup, moi, je suis arrivé à faire un système où j'ai étanchéifié. En plus, le coup de la chambre à air, c'est un vieux coup qu'on faisait sur les moteurs Villiers. Pareil, c'est un truc clipsé, c'est pas très étanche. Et c'est un vieux truc d'anglais, quoi. Une pédale de frein adaptable pour Sherpa, retravailler, recouper, réajuster. Donc de l'autre côté, j'ai un kick de bêta sur une noix de Peugeot 125 où le kick est de l'autre côté. Parce que normalement, le kick, il part comme ça et il est articulé en haut. Et il fallait relever le repose-pied. Là, avec celui-là, c'est bon. Bon, je touche du bois, j'espère que mes soudures vont tenir, hein. Je ne suis pas un grand... Et nombre d'heures inconnu. Ouais, bon, on ne compte pas parce qu'on se fait plaisir. Si, l'unité de mesure, c'est la passion. Bon, Julien, prêt pour demain? Prêt pour demain. Tu joues la gagne? On va essayer de gagner. Ouais. Une année, on a réussi à gagner l'année dernière, mais c'est jamais évident parce qu'on est pas mal de compétiteurs à niveau égal. C'est vrai qu'on a un peu la pression. Et ta moto alors, parle-moi-en. Voilà, c'est une Kawasaki KT250. C'est une moto très rare en France parce qu'à l'époque elle n'était pas importée. Donc il y en a très très peu. On doit en avoir une 10-15 motos comme celle-ci en France. Ouais. C'est vraiment très peu. Ouais. C'était une moto un peu. Elle était un peu mal aimée à l'époque parce que les motos leaders c'était tout ce qui était Yamaha TY. Et celle-là n'était pas importée et elle avait quelques petits défauts de jeunesse. Donc c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. C'était la concurrente de la TY alors? C'était censé être la concurrente, ouais, de la TY, mais comme elle n'a pas été importée. Your secrets to my grave, 'cause you're